Alors on est en UEVR avec Onecom Beyond machin truc. Alors peu importe ce qu'on fait, on est dans un jeu qui est soit très mal optimisé, soit qui s'accommode très mal de l'UEVR, puisque là 49 images par seconde, et j'ai taillé dans le gras, j'y suis pas allé de main morte. Bon, là c'est j'ai la chance d'avoir des ouvriers qui changent maintenant un toit, les tuiles d'un toit de garage. Donc vous allez peut-être entendre des chocs, si ce n'est ma tête qui se cogne contre les murs. Donc en vidéo, bah alors c'est drôle aussi parce que vous voyez, on peut mettre en surbrillance là dans les paramètres. On peut bouger la fenêtre comme ça. Alors les sticks ça marche pas et puis... Ah ça y est. Quand on le fait par à coup, j'arrive à descendre. Wow, avec le pad. Donc, draw distance high, post-treatment medium, shadow quality low. Global illumination medium, reflections weak, low, quality of textures high, effects on low, vegetation for foliage, ou vegetations high, ambient occlusion, maybe, petit ombrage. Ombrage, this is on low, just over anti-aliasing, and it's low also. Which is also set on low. Oh, here we go. Donc la surprise, c'est qu'il va me permettre de jouer ou pas avec la fenêtre ouverte. On parle bien de cette fenêtre là, on l'a vu vers le miroir. Is the mirror you gonna give me the opportunity to play? Or it's that gonna froze the control? Reset, third time. Donc c'est la troisième fois que je me refais ça. Hop, on est donc en natif stéréo. On n'a rien changé, on n'a pas lancé le jeu. On va voir si. Oh purée. Souris. Petite souris. Ah mais oui, mais j'ai même pas la possibilité. Voilà, nouvelle partie. Explorateur, il n'y a pas mot de survie. Voilà. Silence used to sound different. Whispering wind and rustling grass. I've only ever heard them on recordings. The planet has been slowly wasting away for generations. In the end, we became prisoners of our arcs. My brother was obsessed with the old world, a world where we lived in nature. I promised I'd do my best to bring it back. I was working hard to get into the labs. That's when the news about Operation Honeycomb broke out. Could we find salvation in the stars? Vital signs stable. Would I ever see the Earth covered in green? Mais si tu vas dans l'espace, tu risques pas de voir la Terre en fait recouverte de végétation, hein, parce que tu ne seras plus sur Terre, mon petit miel, honnête, puisque honnête c'est du miel et comble, c'est quoi? Je sais pas, c'est une... Qu'est-ce que t'as? Bah c'est mal barré, tu vas voir personne, t'es coincé. Ah bah j'étais de l'autre côté, t'es bête hein. Waouh, c'est quoi en fait là, des effets de flash? Alors, oh là 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 là, comment ça rame. Donc on a l'interface à gauche, là ça clignote comme de... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon alors, painkiller, où est-ce que t'as mis en fait... L'aspirine. Là. Alors, painkiller. Fibre de carbone. Pharmacie, c'est quoi? Non. Elle va se taper, elle a donné un grand coup sur la tête. Puis du coup, elle aura plus mal à la tête du tout. Mais il n'y en a pas, en fait, de painkiller. Qu'est-ce qu'elle me raconte, là? Oh là là. Bon, alors, c'est supposé être un jeu de survie. Ah, stockage. Mais c'est quoi? Sac à dos. Ouais. On va prendre ça. Voilà.
Et là on sort ou pas? Non, on peut pas. Maintenez LB pour ouvrir le menu circulaire. Passez la souris, c'est pas. J'ai pas de souris. Ah bah oui, c'est intéressant, y a rien. Sur un emplacement et attribuer les analgésiques. Ouais, mais. Alors c'est ça. Appuyez sur RT pour consommer. Oh là là. That feels much better. Et donc What's going on? On appuie sur B. Where am I? Welcome to Operation Honeycomb. Nid your chance d'abeille. to play Ouais. your part in saving our cradle. The fate of humanity rests in your hands, scientist. Time to get to work and find the cheat code to hack the ecosystem. Unpacking database, please stand by. Donc là, en fait, il n'y a pas de dédoublement. Right. Les textes sont lisibles. I really need to wake up. Is this what space travel is supposed to feel like? Oui, mais il faudrait que tu avances. On peut. Ah, ça y est, enfin. Open the door. Oh. Ah, ouais, on est dans Flash World. What is this place? Watch out for symptoms of post-stasis sickness. Ouais, bah faites attention, attention, vous avez un petit souci là, tout clignote. Oh, ok. Vous êtes photo sensible. Vous êtes épileptique, voilà. Oh là 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 là. Donc qu'est-ce qui peut faire ça? Vraiment. On est trop bas. Oui. Gentle physical to sleep. Oh merde. Alors, comment ça flash? Ça flash. Oh purée. Bon bah voilà, c'est. On va vite interrompre cet enregistrement. C'était Honeycomb. Et puis j'arrive même pas à recentrer en fait. Impossible ça. Recenter, standing item. Ok. Donc, on va se faire mal. C'est pareil, ça flash de partout. Wow, bon bah. C'est vite fait. Ça s'appelait Honeycomb et ça marche pas du tout. Ah, mais si, on a peut-être encore une option là. Waouh! Alors. Oh, bientôt occlusionné à zéro. Y a rien. Bon, bah voilà. Voilà, 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 voilà. Donc ça flash de partout. Je vais juste marcher si jamais vous êtes mazo et que vous vous dites qu'il y aurait un intérêt à utiliser ce jeu à l'avenir, vu les problèmes graphiques. Voilà, voilà. Je sais pas si on les voit en flat. Resume, continuez. Pitié. Pitié, pitié. Voilà. Oui, ça vibre partout, ouais, ouais voilà. Sauf qu'en pas vraiment. Ah non, c'est les mêmes couleurs. Voilà, les ombres déconnent à max. Et je sais pas combien de temps vous pourriez endurer ça, mais bon. C'est à vous de voir. Si vous voulez faire un torture test, vous pouvez y aller. C'est pour tester l'endurance lors d'une soirée. Après avoir bu beaucoup de café, voilà, on va dire ça. Voilà, du café ou alors en fait du jus d'orange, puisqu'on ne fait pas de promotion de boissons fermentées. Voilà, bah c'est fantastique, ça s'appelait Honeycomb et on va s'arrêter là. On était à 60 en UEVR. Ça ne casse malheureusement pas des briques, c'est juste vos rétines.